Une mobilisation des autorités accompagnée des femmes de la ville de Bobo-Dioulasso, avec en première ligne la Brigade Verte. Une seule mission en vue, assainir les lieux. C'est une initiative de la direction régionale en charge de la solidarité, du genre et de la famille qui entend marquer à sa façon à Bobo-Dioulasso la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2023. C'est parce que je ne sais quoi faire. Sinon, une femme devient une transporteuse de prix. C'est pas facile. Même comme il n'y a pas d'autre alternative, il ne faut pas rester là à ne rien faire aussi. Si tu fais ça, tu arrives à te nourrir ainsi que les enfants et subvenir à certains problèmes de la famille. Souvent, lorsque je rentre le soir à la maison, la nuit, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai mal partout. Comme mon homme a confiance en moi et qu'il connaît déjà le travail qui se passe dans mon service, deux fois, il m'accompagne, donc ce qui fait que si je suis au service, je joue le rôle de la policière et arrivée à la maison, je joue le rôle de femme du foyer. Je n'amène pas mon commandement à la maison. Nous avons décidé au niveau national de donner un coup de peine dans les CSPS et les hôpitaux. C'est l'endroit où chaque femme, surtout la femme, au niveau de la maternité et autres, viennent. Et nous devons avoir ces lieux propres. Au début, beaucoup même m'ont dit que c'est parce que j'ai gagné un mari pour me marier. Puisque je suis tout le temps sale. Et travail de peinture, on est trop sale dedans. Et moi aussi, ça ne m'a rien dit. Puisque je sais ce que je veux. Ce n'est pas ce que les gens disent qui me pressionnent. Moi, je veux un travail que j'ai eu et ça me plaît beaucoup. Pour moi, le 8 mars est une commémoration qui doit rappeler aux femmes l'esprit de combativité afin d'avoir une place de choix dans la société. Cette célébration à l'honneur de la femme doit être une source de motivation pour elle, pour donner un bon exemple et impacter positivement les générations futures.